sur le prophète Akila Gédéon Mera. Amen. Dis-moi un peu mon enfant, s'il vous plaît. Vraiment que Dieu bénisse abondamment l'homme de Dieu pour son intervention. Vraiment, vraiment, il était vraiment béni. Homme de Dieu, que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Avant de passer à la bénédiction nuptiale, je veux dire quelque chose, donner certains conseils aux couples. Je bénis Dieu vraiment pour votre vie, pour cet engagement que vous prenez. Je vais parler un peu avec vous. Je vais vraiment vous conseiller. Et les conseils que je vais vraiment vous donner, vous fera vraiment énormément du bien. Le mariage n'est pas de l'amusement. Je tiens déjà à vous rassurer que Dieu est dans votre union. C'est vrai que je suis ton grand frère, mais je suis aussi ton père spirituel. Et tu me connais très bien. Je ne sais pas passer à côté. Si Dieu n'était pas dans votre relation, je n'allais pas mettre mes pieds ici. Mes enfants spirituels me connaissent très bien. Beaucoup de personnes ont quitté l'église parce que j'étais clair envers eux. Je leur dis que Dieu n'est pas dans la union. Et pour finir, quand ils ont quitté l'église, ils sont partis, ils sont coincés la tête. Ils ont vu que le Père avait raison. Donc je tiens encore une fois de plus à vous rassurer que Dieu est dans votre relation. Peut-être qu'il n'a pas bien entendu. Je vais répondre. Peut-être que vous avez posé la question de savoir, parce que le mariage, c'est un peu comme quand Dieu t'appelle au ministère. Quand Dieu t'appelle au ministère, tu es content, tu souffres, tu es pressé. Et il arrive à ce moment, tu peux poser la question, Seigneur, est-ce que tu m'as réellement appelé? Comme ça, le mariage est. Seigneur, est-ce que celle-là, c'est vraiment la femme de ma vie? Seigneur, est-ce que lui-là, il est vraiment l'homme de ma vie? Je tiens à vous dire ce soir-là que Dieu est dans votre relation. Voici la femme de ta vie qui est là. Voici l'homme de ta vie qui est là. Amen. C'est par là que je vais d'abord commencer. Amen. Je sais pourquoi j'ai dit cela. S'il arrive un jour, durant votre parcours, soit 5 ans après ou 10 ans après, vous arrivez à vous poser cette question de savoir est-ce que Dieu était vraiment dans cette relation? Que cette question ne vienne jamais dans votre esprit. Quelles que soient les situations que vous allez traverser, Dieu est dans votre relation. La première chose. La deuxième chose, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. La Bible n'a pas dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Ça fait deux choses. Parce que beaucoup pensent que le mariage est un acquis. Le mariage n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce que Dieu est dans une relation qu'il n'aura pas de divorce. Je suis désolé. Voilà pourquoi vous devez vraiment prêter l'oreille. Mais Seigneur, où tu étais? Est-ce que tu étais devant? Il était là, non, il était assis. Je répète, ce n'est pas parce que Dieu est dans une relation qu'il ne peut pas avoir de divorce. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joué. Il n'a pas dit personne ne peut séparer ce qu'il a joué. C'est pour dire qu'il est de votre responsabilité. À toi, homme, et à elle, étant la femme, vous devez veiller tous les deux sur votre vie de couple. Et l'un des secrets fondamentaux pour veiller sur sa vie de couple, c'est être sous l'entendement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? À partir de ce soir, lorsque vous sortez de ce lieu, vous devenez des sous. Si vous ne savez pas être sous, vous allez briser votre vie de couple. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie votre union. Il y a des gens, Dieu ne sait pas parler, mais c'est après le mariage que Dieu les fait. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Si Dieu n'a pas pris le souhait de te révéler l'identité de ta femme ou l'identité de ton homme avant le mariage, et que c'est après le mariage que Dieu vient te révéler l'identité, c'est que Dieu ne vous propose rien. Je répète. Tu es marié légalement. Et c'est après le mariage, tu vois que ta femme est sorcière. Ou c'est après le mariage, tu vois que ton homme là, il n'est pas bon. C'est que
pour toi là, Dieu ne vous prend pas au sérieux. Pourquoi Dieu n'a pas révélé avant le mariage? Et puis c'est où on est marié qui révèle. Donc, s'il vous a caché ce mystère, c'est qu'il vous a donné la solution pour vous en sortir. Il vous a donné la solution. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ok. Après la nuit de miel, après que vous avez fini de faire tout ce que vous avez envie de faire, lorsque vous allez arriver chez vous à la maison, chacun de vous doit prendre le soin de s'asseoir. Parce que c'est là que vous allez commencer maintenant vos exercices. L'homme, tu dois poser la question à la femme. Tu m'as dit, tu dois faire connaître à ta femme ce que tu aimes et puis ce que tu n'aimes pas. La femme aussi doit dire à son mari ce qu'elle aime et puis ce qu'elle n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'une relation se veut sérieuse. Lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on veut faire un long chemin, un long parcours avec cette personne, on prend le soin au préalable de connaître cette personne. Quand tu sais ce que l'homme aime, je parle même par vous deux, hein. Quand tu sais ce que l'homme aime, tu te permets, il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Tu dois lui dire, moi, voyez ce que je n'aime pas. Voyez ce que je n'aime pas. Voyez ce que je n'aime pas. Elle aussi, elle doit te faire connaître, voyez ce que j'aime et voyez ce que aussi je n'aime pas. Maintenant, si vous tous vous connaissez ce que l'autre aime et ce que l'autre n'aime pas, là, on verra maintenant qui en aura. Ce que je suis en train de vous dire est très, très, très important. Vous n'avez pas que vous ayez des surprises. Ah oui, c'est, je ne sais pas que vous êtes comme ça. Je ne peux pas, je ne m'attendais pas, je ne pensais pas que tu pouvais faire une telle chose. Je n'attendais pas ça venant de toi. C'est très important. Chacun doit dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. De deux, vous devez veiller tout à ne pas faire ce que l'autre n'aime pas. Ce qui envoie la division. Ce qui envoie la division dans la vie de couple, c'est lorsque l'autre fait ce que l'autre n'aime pas. C'est ça qui est la division. Vous me suivez? Je parle dans tous les aspects. Tu dois lui dire comment tu veux qu'elle s'habille. Et elle aussi, elle doit te dire comment elle peut que tu t'appuies. Tu dois lui faire connaître ce que tu aimes. Vous me suivez pas? C'est très, très, très. C'est très, très, très important. C'est bon.